السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين غابينيت. اليوم عندنا هاد الكاطويه هادي اللي كتجي رائعه، تهديوها لمن بغيتو. الحباب تابعوا معنا الوصفه، فلنبدا على بركه الله. لهاد لا جينواز غادي نحتاج 160 غرام فرينه، 160 غرام دو فارينه، 140 غرام سكر، 140 غرام دو سكر، 4 تاع البيضات، 4 6 غرامات تاع الخمارات الحوله، 6 غرام دو ليفور شيميك، 6 غرامات نتاع خمارات الحلوى. وي دونك 6 غرام دو ليفور شيميك. زوج معلقات نتاع الزيت، 2 كويار ا سوب دو ورشه ملح، اي اون بانسي دو سال. بسم الله. يالي اون ميت لي زو. الوغ نبدا باللي زو مع البيض. اوكي الوغ البيض مع السكر، سمحوا لي راني صايمه. دونك لي زو اي لو سوكر انصامبل. Alors, on va nous mettre un peu de temps. Voilà, va fouetter pendant une minute environ, il faut que ça gonfle en fait, hein, d'accord? Pour que ça blanchisse. Ok, alors. Voilà, je te mets à l'air de la taille de la taille. Ouais, ça a monté, hein, t'as vu, hein, ça a gonflé. Voilà. Ok, ok. Donc ensuite, tu prends le fouet. Alors, la famille, même ça, je dis que je rechète un mille. Voilà, c'est vrai ce que je raconte, ouais. Ok, donc là, mets un petit peu de sel. On va dire zit. Ouais, l'huile. Même ça, wesh. Ok. On j'y pour une rien. Ah, tu mets tout comme ça directement? Ou chaque tu mélanges pas à chaque fois? Non, ok, d'accord. Non. Toi qui sais. Non, complique pas, en fait. Ouais, ouais, il y avait quoi dedans? Il y avait la levure chimique dedans. Alors, il y a une levure chimique. Ouais, 7 grammes, il me semble, ouais. Mais la farine. 160 grammes de farine, on est d'accord. Hein. Donc, ok, là, tu es en train de tamiser. Oui, 6 grammes de levure. 6 grammes de levure chimique, ok, d'accord. Ok, Asya, comment tu vas mélanger? Alors, on y jette bien le fouet taille. On va dire une petite. Voilà, va tourner le saladier à chaque fois, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà. Pour essayer justement de ne pas faire retomber la je masse. Je mets bzaf le gaz là, avec la pâte. Mm-hmm. Ok, donc là tu as un moule, bah, enfin un six pâtes, ok? J'ai mis ici il y a un moule comme ça. Tu l'as beurré, c'est ça? J'ai mis le zbda. Et vous, si vous n'avez pas, j'ai mis un saxon comme ça. Et vous mettez le papier, warak tahi. Ok, donc là tu vas verser la pâte dedans. J'ai mis les gines taï. Ok, vous avez vu, il y a de la masse, d'accord? Ok, ok. Donc si vous n'avez pas ça, vous prenez un papier cuisson, les amis. Vous le beurrez également et vous étalez la pâte, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, super. Voilà. Allez. Alors, ensuite, Rabinette, tu alors. Prends la spatule. Ok, tu vas alors, faire... Alors, j'ai besoin de la spatule ou de serrure. Prenez une spatule coudée, hein, ce que vous avez. Sinon, juste la marise, c'est pas de problème. Même une et cuillère. Vous étalez... hein. Ouais, une cuillère aussi, c'est possible. Hein. Voilà, on étale la pâte bien partout, sur les coins. Et on essaie surtout d'avoir la même régularité. Pas un côté où il y a plus de pâte, hein, d'accord? Sinon, ça se verra à la cuisson. Donc là, le four, tu l'as préchauffé à combien, Asya? 160, c'est ça, hein? 160 degrés. Ouais, parce qu'elle ne veut pas une génoise qui soit trop foncée, elle veut une génoise qui soit claire. Mmh. Et au niveau de la cuisson, je crois qu'on est parti environ pour 15 minutes. Parce que quand on fait la température basse, comme ça, basse, ça met un peu plus de temps. Hey Sarah qui vient d'arriver! Comment ça va? Tu dis bonjour aux abonnés, ma chérie? Bonjour les abonnés! Vous faites quoi? Je fais une génoise. Une génoise. C'est quoi une génoise? Bah, tu connais pas la génoise? C'est une base pour faire un gâteau, d'accord? Et on pourra le manger? Bien sûr! Bien sûr! Évidemment! Bah oui! Je peux lécher? Non, tu lèches pas là. Pourquoi? Bah non, chérie! Non, lèche pas! La pâte, elle est. Elle est crue! Elle est crue! Ok! Allez, direction le four! Allez, direction le four, on se retrouve tout à l'heure. A tout de suite. A tout de suite, les amis. Eh, hey, tu m'as vu, tu m'as pas vu. Sarah, toi aussi, tu fais là. Eh hey, oh, tu m'as vu, tu m'as pas vu. A tout de suite. La crème bleu portugal, غادي نحتاج 150 g de sucre. 150 g de sucre. 150 g de zbda. 150 g de beurre. 150 g تاع العصير البرتقال. 150 g de jus d'orange. Non, 150 ml de jus d'orange. 150 ml. Oui, 150 ml. 150 ml ouais. De l'huile de 30 g de maïzena. 30 g de maïzena. 30 g de beurre. 3 œufs entiers. Et غادي نحتاج غادي نحتاج القشور ديال البرتقال و زيت دورانج و غادي نحتاج الساشيه وحده بنكهه الفاني دو فاني دو سكر فاني. اوكي دونك الحاجه الاولى اللي نبدا بها ندير هذا العصير البرتقال. دونك لا امي لو جو دورانج ديريكتومون دون لو كاسرول دون لا كاسرول و نزيد ديك لا مايزينا امي لا مايزينا اي ميلانج tu commences par ça pourquoi Asya voilà pour que ça dissout facilement enfin pour que là j'ai compris.
pour que la maïzena se dissout facilement dans le liquide froid, hein, c'est ça. Voilà, parce que la maïzena doit bien bien faire le rassemblement là. Donc tu mets le sucre. Donc là, il met le sucre. Ou avec sucre vanillé. Il y a un truc dedans ici là. Il est ouais, petit truc noir là. Donc là, il met le sucre vanillé également. Ensuite, ici, tu mets quoi? On dit doit donc le beurre de dire non. Les œufs. On harco. Ou zeste de le portugais. Ouais, elle met les zestes d'orange, ok. Donc là, tu fais quoi? Une crème à l'orange, hein, c'est ça? Oui, on dirait une crème à l'orange. Ok, super. Crème à le portugal. Super. Alors, après, tu mélanges comme il faut et après, tu mets le beurre, je suppose. Hein. Voilà. On harco hamzien, chalto hamzien. On dit de zibda ta'na. Dis hant bra chouia. Radi ndi hant bra. Ahtet chid rasa ad on dirait zibda. Ouais, on va d'abord faire bouillir ça. Et ensuite, on mettra le beurre à la fin, ok? L'hbab à la nar hadi atibouha. Ouais, il faut faire bouillir une minute avant de mettre le beurre, d'accord? Ok, à tout de suite. Ok, donc là, ça a bien épicié, si, hein? Alors, je vois, maïa, il y a des dates de cal. Ouais. On met le jawani, parce que maintenant, on a le kumch. Ok. Ok, tu peux te faire bac, tu peux te faire bac. Ouais, dès que vous voyez les premières bulles, ok, c'est que ça commence à bouillir, je vous compte environ une minute, hein? Dire à donc le foukaat, c'est beau de kaka. Autre fait, ouais, ok. Alors, vérifiez bien, dès que vous voyez que ça bulle un peu. Voir les bulles. Ah, on m'a dit où donc le foukaat. Bon, on voit des petites bulles, faut compter environ une minute, hein, d'accord? Oh, elle reste le fouet. C'est pas grave, tu vas en acheter une autre. Oui, avec tes sous. Ben, comme d'habitude. Regarde, tac. Ok, là vous comptez bien une minute, on se retrouve sur le plan de travail, d'accord? A tout de suite. A tout de suite. Bon, Rabiette, elle était rapide, elle a commencé à mettre du beurre. Donc allez-y, petit à petit. Il me fait mal. Ouais, vous intégrez donc le beurre petit à petit. Hein. Dès qu'il est fondu, vous l'intégrez tant que c'est chaud. Si vous voyez que le beurre ne veut pas fondre, vous remettez un petit peu sur le feu de façon à ce que la crème se réchauffe encore un peu. Okay, allez, on met tout le beurre, on se retrouve juste après. Je vais vous donner de la crème. Je vais vous donner la girafe. Ouais. On va vous donner. Vous mixez pour bien émulsionner. Hein. Elle a fondu. Allez, c'est combien de temps que tu l'as mixé là ta crème? Ana la crème diali darabta 5 daqiqa. Ouais, mixez au moins 5 minutes. Si vous n'avez pas de girafe, prenez le batteur, mais il faut vraiment la mixer pour l'émulsionner, hein, d'accord? Bah, je touli ha kalis. Voilà. Donc toi tu vas la filmer au contact, c'est ça, hein? Voilà, غادي نحطها هنا في هذا لو بول هذا. وغادي نسد عليها بلو بابي فيلم. Ok, donc là, tu as filmé au contact. On va laisser tiédir un petit peu, puis on voilà. Se retrouve tout à l'heure. Okay, à tout de suite. Tout de suite. Allez, on va préparer le sirop, Sia. Nous regardons nos jus de sirop d'Yana. On a 300 ml d'allemand. Ouais, 300 ml d'eau. On a 150 g de sucre. 150 g de sucre. On a une sachet de knoukat de vanille. Et un sachet de sucre vanille. Tu vas faire bouillir combien de temps ici environ? Ouais, 2 minutes. On va pas vous montrer, elle va faire bouillir. Pendant qu'elle fait bouillir, on va passer à la suite. Nous. Alors, bismillah. On en mélange rapidement. Ouais, il y a qui prend voir juste. Allez, on fait bouillir pendant 2 minutes. J'ai une enchaîne de du plastique, on darbo le crème à Diana. Ouais. Tout l'air tba. D'accord, donc là, elle a laissé la crème refroidir. Elle est en train de la fouetter pour la rendre lisse. Juste un petit peu, Jamy. Hein. Donc là, c'est bon. Ok, je peux goûter, hein, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y. Goûter. C'est bon, ah ouais. Laissez bien cuire la maïzena, les amis, hein, d'accord? Elle est vraiment bonne. Ok. Allez, on passe à la suite. J'ai pris la génoise d'Yale Hnaya. Je l'ai déjà à la zoo, j'ai fait 32 cm, 32 cm. Je l'ai fait à la 16 cm. Ouais, elle a coupé en deux. 32 cm, elle a coupé en deux, hein, ça fait 16 de chaque. Au niveau de la cuisson, à 160 degrés, hein, ça a pris presque 15, des fois 20 minutes parce que. Comme c'est à basse température, c'est un peu plus lent, d'accord? Voilà. Ok, ok. T'as bien coupé, Asya? Très bien. Non, je suis pas sûr. Je vais t'aider. Comment ça, tu veux m'aider? Là, c'est bien coupé. Ok? Oui. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas me biber, ça? Oui. Non. Ok. Donc, le sirop, combien de temps, hein, tu m'as dit, Asya? Ouais. Donc, vous comptez 2 minutes d'ébullition. Allez, on se retrouve sur le fond de travail. À tout de suite. Alors, j'ai pas d'accès au diable, on va la génoise à dire. Ouais, donc là, vous imbibez la première phase dans un premier temps, hein, d'accord? Et après, vous imbiberez le deuxième une fois que vous aurez mis donc, sur la crème, hein, ok? Magnifique, c'est magnifique. Donc là, pour être franc avec vous, ça fait combien de jours qu'on a fait la génoise là maintenant? Non, ça fait 2 jours. Hein. Ça fait 2 jours, les amis, c'est incroyable, hein, ça va vite. Hein. Vous le voyez pas parce que nous, on fait du montage. Et sincèrement, ça fait 2 jours qu'on a fait la génoise, on n'avait pas le temps de s'en occuper. Et là, on s'est dit non, on va s'en occuper.
Et limite, elle commence limite à s'assécher. Hein. Sinon, si jamais vous la faites le jour même, vous pouvez vous passer du sirop, hein. C'est possible. Hein. À condition d'avoir une génoise super moelleuse. Elle est encore restée moelleuse, c'est incroyable. Elle est encore moelleuse. Hein. Ouais. Moi, mais elle est très bien dit que nous avons de la vanille et quand la carte, elle a dit que la génoise. Ils peuvent mettre le sirop, mais le sirop, il va changer de couleur. Ça va. C'est-à-dire, la vanille, qu'elle là. Ah, le liquide. Waouh, ta crème, elle a une belle couleur orange, hein. C'est alors, dingue. Alors, je n'ai pas cherché la génoise, ce morceau, je n'ai pas cherché le sirop. Je vais venir avec la crème de l'échevo qui est d'ailleurs. Oh là là. Elle donne envie, hein. Ouais. Alors, une dince d'elle. Magnifique. Donc là, elle met la moitié. Hein. Et elle commence à étaler gentiment. Tu vas mettre des pépites de chocolat, Sia? Oui. Ah, heureusement que je t'ai fait penser. Si toi aussi ton mari est attentif à ce que tu fais, tape dans tes mains. Si toi aussi ton mari est attentif à ce que tu fais, tape dans tes mains. Je me sens seul, les amis, là. Bon, les amis, Rabinette est partie à l'école chercher les enfants. Et donc, c'est moi qui reprends la suite, hein, d'accord? Donc, Rabinette Michette Djibel, boss fait les cool. Donc, elle a les qui me suis à la recette. C'est radié tout le ou tout le combien de la finition. Donc, quand elle va revenir, c'est elle qui vous fera donc la finition de la recette, hein, d'accord. Donc, elle m'a dit de poursuivre le temps qu'elle allait chercher les enfants à l'école. Parce que c'est l'heure en fait. Donc, là, on met des pépites de chocolat. Donc, sur la crème à l'orange, c'est juste gourmand ça. C'est magnifique. Pépites de chocolat, on en met un peu partout. Ok. Une fois que c'est fait ici, on récupère. Alors, on essaie de voir. On récupère la génoise et on vient la disposer comme ça. On essaie d'être bien droit, d'accord? Dans un premier temps, on appuie comme ceci et on récupère le sirop. N'hésitez pas à mettre le sirop à réchauffer si celui-ci refroidit. Hein. Donc, on a acheté deux sirops à coum. Mais ouais, à wood, faut la faire. Il a acheté tout berdin. Donc là, on vient imbiber. Alors. Nous ferons la génoise, avec le chloua, avec le gâteau. Alors, quand celui-ci est bien imbibé, on va voir si c'est chaud. On va le laisser refroidir. On laisse légèrement refroidir le dessus du gâteau parce qu'il est chaud là. Et ensuite, on mettra donc la crème restante à l'orange. Hein. Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est ne pas hésiter à venir comme ça. Refaire un petit peu les concours hein, pour que la crème à l'orange elle ne se fasse pas la malle. Donc il a que des taux à cada. Appuyez sur votre crème comme ça, bêche mat derrière le comche. Ok. Bac plus 5, les amis. Hein. Je parle l'arabe littéraire, on a l'impression que j'ai un bac plus 5, les amis. Et non, le seul bac que j'ai, c'est le bac de vaisselle qui m'attend tout à l'heure. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai. Mon petit bac de vaisselle, fidèle à moi, toujours là. Donc regardez, là j'appuie un petit peu, c'est pas grave. Hein, si ça colle ici au couteau, c'est absolument pas grave. Parce qu'on va mettre de la crème à l'orange dessus, donc on va tout camoufler. Ok ? Allez. Alors on regarde déjà. C'est bon, ça a refroidi. Je récupère maintenant. Est-ce que vous voyez ce que je fais, les amis ? Ou pas trop ? Vous inquiétez pas, je suis là. On va mettre ici la crème à l'orange. Alors, on m'a pas précisé, Rabinette, si je devais remettre de la crème à l'orange dessus ou pas. Je ne sais pas. Donc, je vais pas en mettre. Comme ça, si jamais il fallait en mettre, elle en mettra quand elle rentrera. Elle va arriver dans 10 minutes. Parce que si je mets les pépites de chocolat dessus et qu'elle me dit non, fallait pas les mettre, je me vois mal enlever les pépites de chocolat. Donc, Ratsna Rabinette J. Besh, na'afo, shinzidu hadikel. Shkalat hadindulha. Fok le crema ou lella. Je suis sûr qu'il y en a plein qui doivent dire mais c'est quoi cet arabe complètement déglingué. On ne comprend rien. Ben, c'est pas grave les amis. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, ok. Allez. On étale. Alors je sais pas ce que ça va donner, hein. On verra bien tout à l'heure. Je la connais, dire ouais mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Ah ben débrouille-toi la prochaine fois, hein. Arrête de me missionner et arrête de me faire confiance là-dessus, hein, ok. Bon, on attend son retour avec impatience, avec la boule au ventre, les amis, hein, je vous avoue, parce que on dit, c'est pas comme ça, je la connais, les amis. Mais bon, c'est pas grave. On a fait ce qu'on a pu, hein. Ok, à tout à l'heure. Merci, Rabih, les Kimmel, il y a le... Non, c'est ça. Il a dit, voilà.
Bon, merci à la bête. Rien, c'est un plaisir. Voilà, là, je suis venu les enfants de l'école. Alors, du coup, il y a deux bouts, je suis chocolat. C'est du chocolat fondu, ça. Voilà. Uniquement du chocolat fondu, ouais. Et rire, deux bouts, tu as le micro-ondes. Il y en a un sachet alimentaire, tu vois. Ouais, les sachets de congélation, hein, d'accord. De congélation. Pour une déco. Au d'abord, il y a des rires. Ouh, mais c'est qu'il y a du métier là-dedans, là. C'est pas dur, ça. Ah, ouais. Ok, donc là il y a une superbe couleur là, c'est magnifique. Voilà, on va essayer de. C'est le qui? C'est le couche. Ouais. Ah, là maintenant, tac, tac. La pointe en arrière, non? Voilà. De toute façon, c'était clair que tu allais me dire non, je te connais. Qu'est-ce que t'en dis toi? Ouais, c'est très bien, impeccable. Il est 23h. Mes amis, on est claqué, c'est impeccable. Je ne peux pas le faire. On va... Allez, on va essayer de trouver une belle déco et puis on, ouais. On se retrouve tout de suite. Bijou, bijou. Allez. Ah bon? Ouais, c'est pas mal la sieste, voilà. Hein. T'as vu? Voilà. Ouais, c'est bon, on arrête là? Ouais, on arrête là. Ok. On arrête là. Donc là, tu vas faire quoi? Voilà. Tu vas couper les bords, hein, c'est ça, tiens. Donc là, tu vas couper les bords, c'est ça, tiens? Oui, غادي نقطع هاد الجوانب هادو باش تجي مقاده. Tu vas chauffer le couteau, c'est ça? Voilà, غادي نسخنوا الكوتو وغادي نقادوها نقطعوا هاد. OK. نقطعوها نواتيوها ونرجعوا لكم. OK, donc là, Rabinette m'a dit de couper, c'est ça, Rabinette, hein? Oui, voilà. Voilà, vous coupez, vous chauffez le couteau et vous le coupez comme ça. OK? Voilà. On va essayer à chaque fois le couteau et on va couper l'autre sens. نقطعوا الجوانب ديالنا. خليت انا على بالي. Vous inquiétez pas. Je suis allée. Ne vous inquiétez pas, les bordures, il y a toujours des gourmands. Des gourmands. Pas que les enfants. Hein. Oh là là, que c'est joli. Ok. Allez, on met ça sur ton plat et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Ok. Tohna, bismillah. Tohna, ya. Regardez-moi ça. Un ou deux chevilles, le chevaux. Magnifique. Ouais. Magnifique gâteau. On dirait un gâteau de pâtissier, tout simple. Tout simple. À faire, il faut que tu ailles au meilleur pâtissier. Ah ouais. C'est gentil de ta part. الحباب ها هي القطوية تاعنا وجدات شتو كي كتجي دايره انا غادي نهديها لصحاباتي راني معروضه غدا عندهم الحباب صوبوها في ديوركم جو فوز ام باي باي وما تنساوش لو بوتي بوس بوتي بوس هو كيف فوز ام بيس باي باي, باي.